Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Salatan turaqina ila zikri wal khubi. À la rencontre de Baye Gallo, artiste designer résident en France, mais qui pour l'occasion reçoit aujourd'hui Culturama ici, dans sa résidence au niveau de Sali. Nous sommes bien sûr à Mbour, à quelques kilomètres sur la petite côte. Baye Gallo, bienvenue dans Culturama. Bonjour Ibrahim, et j'ai vraiment l'honneur aujourd'hui d'accueillir la DSTV et toute l'équipe ici à Sali. Voilà, je me présente, Baye Gallo, artiste peintre plasticien, auteur-compositeur. Donc voilà, prêt à révéler un peu les projets qui sont devant nous. Baye Gallo, d'abord une actualité, on est obligé. Je vous ai présenté comme quelqu'un qui réside bien sûr en France. Bien, vous êtes sénégalais, bon temps, comme tout le monde le découvre actuellement à travers l'écran. Mais quand même, vous venez de la France, mais aussi il y a une pandémie au niveau international. Vos appréciations par rapport à cette actualité et à l'impact que ce qu'elle a par rapport à la vie de la culture? Ben, avant tout, on est au point mort. Donc voilà, plus de spectacles, plus d'expositions. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile pour tous les tout ce qui travaille dans la culture en général, les concerts, voilà, les expos, etc. Donc on vit un moment très difficile, mais n'empêche, ça ne nous arrête pas. On continue, on insiste, on fait nos compositions, on peint. On travaille toujours, voilà, dans l'ombre. Les projets, la pandémie ne les arrête pas, bien sûr. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un projet, d'un concept projet qui s'appelle Musicolor. Pouvez-vous revenir un peu sur le concept Musicolor? Alors, Musicolor, c'est juste tout simplement les réalités culturelles que nous vivons dans le monde entier. Mais en tant que Sénégalais, j'ai choisi le Sénégal pour parler de nos croyances culturelles au niveau de la foi et spirituelle, comme tout ce qui est animisme, tout ce qui est, en tout cas, voilà, je vais dire croyance, tout simplement. Et à travers ce projet, j'ai envie tout simplement de partir dans le Sénégal, vraiment un peu partout, en fait, tout simplement pour montrer l'importance. Ce que disait Senghor, un pays sans culture, c'est un pays mort. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie juste tout simplement de montrer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. Et en tant qu'artiste, en tant que plasticien, j'ai toujours cette peur-là pour pas qu'on oublie en fait ce que nous sommes réellement. Parce que l'identité est très importante pour tout un chacun. Si je suis aujourd'hui Serer ou Lebu ou Bambara ou Sarakoulé, eh ben, ce qui fait que ce que je suis va tout simplement donner l'image de ce que je peux montrer aux autres ou partager. Et ça, je pense que c'est tout simplement nos valeurs culturelles. Partager parce que aussi Musicolor, il faut le dire, c'est un projet artistique de 22 titres. Mais aussi de 22 œuvres plastiques. Pouvez-vous revenir un peu sur cette multitude de couleurs, mais aussi d'initiatives, autant sur le plan musical que sur le plan artistique aussi, pictural aussi? Alors, pourquoi 22? Ça, c'est venu comme ça. Alors maintenant, j'ai choisi des thèmes. Et ces thèmes, il y a des thèmes qui sont vraiment, je vais dire, très actuels. Et il y a dans quelques-uns qui sont plus ou moins oubliés entre guillemets. Quand je parle des tirailleurs sénégalais, quand je visite les sites où sont enterrés nos parents, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est toujours pas dit. Et toutes ces choses, moi, c'est, en tant que Sénégalais, ça me révolte. Quand vous visitez les sites où ils sont enterrés, vous parlez des sites français? Oui, je parle bien sûr. Au-delà de Tcharoé, que nous tous nous connaissons, en France, il y a Verdun, il y a tous les cimetières de Normandie. Et donc, on n'en parle pas. Et il est normal, et c'est très normal qu'aujourd'hui, la génération
la nouvelle génération sache ce qui s'est vraiment réellement passé. Et tout ça, pour moi, c'est important. On parle de l'excision dans ce projet Musicolor. On va parler de l'importance de la femme et sa place dans la société sénégalaise. Donc, il y a une multitude de façons, de thématiques qui sont présentes dans ce film qu'on a envie d'écrire avec Carole Judith, qui est l'écrivain, bien sûr. Et j'ai envie de peindre ces couleurs. J'ai envie d'aller voir la danse dans toutes ses formes. Musicalement, Musicolor nous présente quoi ? Ça va nous présenter des réalités que nous vivons, tout simplement. Comme au niveau musical, culturel en général. Parce qu'en fait, ce qui m'a amené à vraiment travailler dans ce projet, c'est que quand je fais de la musique, eh ben, les images sont là. Vous avez envie de peindre ces images ? Ces images. Et quand je vois la danse, une dame danser avec nos danses traditionnelles qui est magnifique, eh ben, j'ai envie de faire de la musique, tout simplement. Et c'est l'un qui appelle l'autre. C'est fou, c'est comme ça. Parce qu'en fait, l'image existe, bien sûr, c'est comme ça. Mais dans la vie, tout est musique et couleur. Ça. Et vous voulez allier les deux. Et j'ai envie tout simplement de tout mettre dans un paquet et pour réaliser ce film documentaire qui demande énormément de moyens, bien sûr, mais aussi de concentration et de voyage, et etc. Voilà. Un film qui va retracer tout ce que vous êtes en train de faire en termes de musique, mais aussi de peinture. Est-ce que ce n'est pas... tu ne te sens pas trop entendu de vouloir utiliser toutes ces formes d'expression? Pour moi, c'est juste un. L'exemple type, quand je vois Ibrahim, il est clair, il est comme ci, comme ça. Donc, toutes ces choses-là qui sont liées, qui forment une réalité, qui fait qu'on arrive à désigner quelque chose. Une réalité identitaire. Identitaire. Merci. Donc, c'est ça qui fait que sans musique, pour moi, sans la peinture et la musique et tout ça, ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est pas complet. Il y a quelque chose qui me manque. Donc aujourd'hui, j'ai envie aussi de montrer ces images-là à travers ce film documentaire où je suis en collaboration avec des Sénégalais qui sont vraiment très bien, je vais dire, ou plus que bien dans leur domaine. Et c'est ça que j'ai envie, au fait, tout simplement, de montrer vraiment la vision que j'ai dans ma tête. J'ai envie de parler aujourd'hui, j'ai envie de dire des choses. Et ces choses, j'ai envie de les dire aussi toujours à travers la musique ou la peinture. De sorte qu'on puisse comprendre. Parce que moi, mon problématique aujourd'hui, souvent je peux rencontrer des gens, des jeunes, quand je leur parle de l'art plastique, au fait, ils ne comprennent pas. Ils sont là à dire, oui, ça c'est quoi? Au fait, on parle de l'art en général de manière, je ne sais pas, négligée parfois, je me dis. Négligée ou ignorée simplement? C'est de l'ignorance peut-être. Et du coup, il y a toutes ces choses-là, alors que ça vient de nous. Ce n'est pas qu'on a l'impression que l'expression artistique, les tableaux et autres, c'est un truc trop blanc, trop occidental. Eh bien, une fois, j'ai fait dans le Var, en 2008, j'ai eu un article de presse où le journaliste me disait que je ressemblais beaucoup à Picasso dans les formes que je faisais à l'époque. Alors que vraiment, je ne le connaissais pas du tout. Et du coup, quand j'ai été voir, je me suis rendu compte que ce grand maître, Picasso d'ailleurs, j'étais flatté. Quand j'ai été voir, voilà. Je me suis dit, soit c'est lui qui est venu en Afrique, ou il s'est vraiment intéressé dans la culture africaine. Donc, par mes recherches et tout, j'ai pu découvrir tout ça. Donc, ce que j'ai envie de faire comprendre, peut-être, la petite génération, je vais dire. Il faut qu'on ne soit pas décomplexé. Parce qu'on a une culture riche et magnifique. Et tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je montre en dehors du Sénégal, eh ben, c'est le Sénégal que je prends, que je mets dans mon sac, dans mon cœur, dans ma tête, et que je ramène partout dans le monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je sors,
je me sens soulagé. Tout simplement parce que, en tant qu'artiste, j'ai pas envie de montrer quelque chose de mon pays qui est. Il y a quelque chose ici au Sénégal. C'est un pays. C'est des choses qui sont appréciées, d'où l'universalité de l'art. De l'art, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un pays qui a des choses à dire, tant au niveau croyance, tant au niveau. Surtout tous les plans, en fait. Mais Baïgalo, à chaque fois quand vous parlez, vous revenez sur croyance. Est-ce que cette expression artistique est adossée à des croyances, à une certaine spiritualité ou bien une mystique, parce qu'on vous voit avec vos dreadlocks et tout ce qu'il y a derrière? C'est vrai que sans la foi, moi, et ça, ça me concerne, peut-être que ça concerne d'autres, ceux qui sont en train de nous regarder. La foi, elle est plus qu'importante. Sans la foi, on va nulle part. Et les spiritualités, c'est vrai que tout mon travail est basé là-dessus. Je vais parler peut-être des actualités comme, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure, l'excision ou les tirailleurs sénégalais ou autre. Mais aussi, c'est une autre forme de foi. Parce que je crois en mon pays, j'aime mon pays. Et donc ça aussi, ça se transforme. Vous avez foi en votre pays? En mon pays, voilà, à ma culture, à mon peuple. Il y a tout ça qui fait que l'art, en général, n'est jamais quelque chose de simple, je vais dire. C'est une recherche au fond de soi. C'est l'âme qui s'exprime. Peut-être on va utiliser des couleurs, la main, la tête, tu vas essayer d'embellir certaines, voilà. Mais l'œuvre, quand elle est finie, eh bien, c'est une partie de soi qui est exposée sur un cadre ou un support tout simplement ou quelque chose. Donc, bien sûr, oui, avant de peindre, il faut que je le dise. Une fois, j'ai rêvé de Baye, cher l'islam, l'âge Ibrahim Niès. Comme s'il m'apprenait à faire une toile. Et ça, c'est dans notre grande maison à Pikine. Et quelques temps après, je vais dire 1 ou 2 ans, je me suis rendu compte que la toile qu'il m'apprenait à faire, eh bien, je l'ai réalisée. Et pourtant, j'avais déjà fait mes apprentissages au niveau plastique, machin et autres. Donc, le fait de, je pense tout simplement, avoir foi en cet homme m'a amené à plus persévérer dans le sens où, puisque je l'ai vu tout simplement dans un rêve, pour moi c'est déjà un signe qui me dit allez, vas-y, n'hésite plus. Une spiritualité qui te guide dans tes œuvres, c'est assez profond quand même. C'est plus que profond parce que quand je parle de mon art, d'ailleurs je ne mets pas de titre dans mes œuvres. Pour la première fois, je vais titrer des tableaux plastiques. Parce que pour moi, je ne peux pas mettre un titre dans un tableau juste simplement pour dire que ça veut dire ça. Parce que tout un chacun a sa façon de voir, voilà, peut-être mon travail ou voilà. Donc je respecte la vision de l'autre, tout simplement. C'est une expression universaliste que tu proposes aux différents observateurs. Bien sûr, c'est ça que j'ai envie, en fait, cet échange-là. J'ai envie d'entendre l'autre, de le voir comment il va, la personne va rentrer dans l'œuvre, l'interpréter à sa manière. Ça me parle. En tant qu'artiste, ça m'enrichit parce que tout simplement, j'entends autre chose que ce que j'avais moi, tout simplement. Donc, la raison pour laquelle je n'ai jamais mis de titre. En discutant, vous m'avez dit que vous avez envie de réveiller quelque chose qui dort en chacun de nous. Et cela, vous l'avez interprété dans votre titre, Jazbia. Un petit extrait et on revient sur Jazbia, s'il vous plaît. La
fillahi kun kayfa ma tasha hal mukallan jalu wa fi'l kullaz wa lam yaswa illa Allah la shay'an khayruhu sama sama mawsul wa la usma bayna wa lam yaswa illa Allah la shay'an khayruhu la ilaha illa Allah Merci, c'est très profond, vous nous avez fait voyager. J'espère que les téléspectateurs sont en train véritablement d'apprécier ce moment qui allie spiritualité mais aussi art. Et nous allons revenir au niveau de vos productions de peinture. Est-ce que vous pouvez revenir sur les leitmotivs, ce qui vous inspire dans vos tableaux? Ce qui m'inspire, ça a toujours été mon pays, les réalités culturelles de mon pays. Les valeurs, mais aussi le soufisme. Le soufisme, c'est comme on dirait que c'est devenu une tendance artistique parce qu'il y a Seya Diallo qui évolue dans le soufisme et l'art et qui se le réclame. Il y a aussi le sage de Ngor via Abdoulaye Diallo. Et aujourd'hui, on découvre, chers téléspectateurs avec moi, on découvre Baye Gallo. Pouvez-vous revenir sur ce lien que vous avez avec le soufisme et quel est ce lien entre le soufisme et l'expression artistique à travers les tableaux? Alors, je ne suis pas en train de faire ce qu'on appelle le warate. Mais je dis juste... Warate, je vais chercher la définition. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man arafa nafs, arafa rabba ». Si tu te connais, tu connaîtras Dieu. Et je pense que nous tous, on a besoin de ce retour. On cherche vraiment qui nous sommes. Et le pourquoi du comment. Et tout ça, c'est quoi au fait? On se lève le matin, on voit un soleil qui se lève, qui se couche, la lune, les étoiles, la mer. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Eh bien, tout ça, on l'appelle peut-être, oui, bien sûr, la nature. Et donc, tous ces questionnements-là, quand on n'est pas plasticien, en tout cas dans mon cas, ou les grands artistes que vous venez de me citer, eh bien, je trouve normal les spiritualités. C'est normal en fait. Le soubassement d'une expression artistique. C'est l'essence en fait. C'est l'essence. Parce que quand on réfléchit ce qu'on appelle Al-Qadir, la tête tourne. Et tout ça, les grands hommes, les philosophes, les grands chers, eh ben, ils s'éloignaient. Ils étaient dans leur monde, je peux dire, dans la méditation profonde. Tout simplement pour savoir vraiment le pourquoi du comment ils sont là aujourd'hui sur cette terre. Et ça, il y en a des milliers et des milliers et des milliers d'exemples de nos grands hommes. Déjà ici au Sénégal, on ne les finit pas. Et je pense que tout un chacun a besoin de ce retrait. Même si on est dans la foule, on peut être ailleurs. Même si on est en train de danser ou faire autre, c'est juste que ce qu'on appelle le soufisme, c'est la recherche de soi-même. Ce que dit Moutou Khabla Antamout. Tu es ce qui est rideau, tous ces rideaux qu'on nous présente. Et ces valeurs qu'on nous donne, qu'on nous inculpe. Et toutes ces choses-là, oui, c'est des réalités. Mais est-ce la réponse de nos questions? Parce qu'en fin de compte, on est né un jour. On s'en est même pas rendu compte. Un autre jour, on va partir, on va même pas s'en rendre compte. Et c'est tous ces questionnements qui se reflètent à travers vos tableaux. Mon œuvre parle de choses que j'arrive même pas moi souvent à décrire comme il faut. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'arrive de vouloir tout simplement parler de mon travail. Et je me mets à écrire sur mes œuvres. Et quand ça m'arrive, je me rends compte que je n'ai plus les mots. Ce qui se passe, c'est que j'ai juste besoin de regarder ce qui est sorti, qui peut m'échapper vraiment parfois, des fois que je maîtrise. Et toutes ces choses-là font que je ne m'en lasse pas. Tout le temps, j'ai envie de donner, de partager, de m'exprimer. Mais est-ce une expression ou c'est juste un besoin, en fait? Même parfois, le mot « m'exprimer », je le fuis.
c'est plus de l'expression. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est moi. C'est autre chose, mais aussi autre chose dans le partage, parce que je rappelle Gallo, By Gallo est aussi promoteur du festival Talibé, Ta Liberté. Toujours entre ce lien, entre la spiritualité, si on connaît l'essence des talibés ou bien leur mission à travers la culture sénégalaise et la promotion de ce festival. Pouvez-vous revenir sur le concept de Talibé, Ta Liberté? Donc, ce festival, c'est un festival qui... Et on dit dans le festival que c'est la culture qui est au service du social, tout simplement. Et ce qui me pousse à faire ça, c'est qu'il y a un problème énorme. Non seulement ces enfants-là, souvent, nous le savons tous, c'est pas qu'ils sont abandonnés. Ils ont des parents peut-être souvent pauvres. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, le oustaz ou le professeur qui les encadre ne peuvent pas faire vivre 20 000 gamins, quoi. C'est une façon de parler. Et je me rends compte que sans ces daras-là, où est l'islam? Vous appelez à une meilleure prise en charge de cette couche de population? Bien sûr, parce qu'ils sont fatigués. C'est des enfants comme nos enfants. Ils sont hyper intelligents. J'ai fait avec eux des ateliers pendant le festival, énormément de choses, en fait. Et je vois leur niveau d'intelligence, mais c'est énorme. Donc, je pense qu'on doit tous, en tant que Sénégalais, eh bien, réfléchir à ce... Même là, je ne parle même pas des gouvernements, parce que moi, je suis apolitique, je suis à bloc là-dessus. Je parle plus, même si le gouvernement fait quelque chose ou autre, en tout cas, je parle au peuple sénégalais, donc le gouvernement compris. Voilà. On doit tous prendre nos responsabilités. Tout un chacun de dire que non, moi je vais m'occuper de ce gamin-là. Parce qu'il ne demande pas, ça ne demande pas grand-chose. De la générosité pour les talibés, mais aussi de la générosité pour tout ce qui est créativité. Vous êtes aussi designer, et pas des moins designers. Designer pour Guerlain, la marque de parfum française. Pouvez-vous revenir sur cette expérience? Parce que aussi c'était à l'occasion de leur 130e anniversaire. Tout un symbole quand même. Oui, comme on dit dans le film, Guerlain m'a choisi. Il est vrai qu'ils ont fait un choix d'artiste. Ils m'ont choisi, c'est flatteur. D'ailleurs, j'étais au Sénégal ici quand on m'a demandé de faire ce travail. Et ce qui m'a séduit, c'est qu'on parlait de Cheikh Amadou Bamba. Et ça, c'est le plus. Parce que quand je suis arrivé en France, à Paris, pour parler de tout ça et faire le boulot, eh bien, je m'en suis rendu compte que c'est encore le Sénégal quelque part, ici dans le monde. Parce que Cheikh Amadou Bamba l'utilisait. Je l'ignorais parce que comme je ne suivais pas... Ça, c'est une exclusivité. Cheikh Amadou Bamba utilisait quel parfum, vous avez dit? Alors, il utilisait beaucoup le parfum Jiki. Jiki de Guerlain. Jiki de Guerlain. Et ça, je l'ai découvert quand j'ai été... D'ailleurs, la question qui est venue, vous êtes Mourid ou Baïfal? Non, je suis Tidjane, je les ai dit. Mais ici, aujourd'hui, je suis Mourid. Pourquoi? Parce qu'on parle de mon pays, on parle de mon parent, on parle d'un grand guide spirituel qui a énormément fait pour le peuple sénégalais. Donc je me suis mis à parler de ce que je sais, parce qu'il s'agit du Sénégal, il s'agit du grand cher. Pour revenir sur cette expérience, Jiki, je rappelle, avec votre design, c'est beaucoup de couleurs, c'est des baïfal. Hein, oui, mais c'est vrai que... On a l'impression que c'est du ndiakha sur du bouteille. C'est du ndiakha sur du bouteille, parce que c'est vrai que ça m'a parlé. Tout simplement, je me suis dit, bon, l'Afrique, c'est les couleurs, l'Afrique, c'est la matière. Et j'ai pris le marc de café, moi, je travaille le marc de café. J'ai fait des sculptures sur la bouteille, et ce qui a fait que je devais faire même la Biennale de Dakar cette année. Parce que quand même, il y a une originalité, et quand même... de pouvoir utiliser cette matière, le marc de café, il est fixé sur du verre, c'est pas évident. Donc tout ça, je pense que ça fait que je suis arrivé à faire cette bouteille de manière spontanée et naturelle, tout simplement. Spontané et naturel, mais tout aussi original. On ressent cette originalité dans votre voix, dans votre musique, dans votre peinture. Vous la puisez d'où? Ça sera notre avant-dernière question, disons. Donc, je pense que tout ce que j'ai, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. À part ça,
je pense que ce qui fait que j'ai envie de faire tout ça, je ne vais pas m'en cacher, c'est le soufisme. Et celui qui m'inspire, c'est Baye. Et quand je parle de Baye, je veux dire Cheikh Abd Barham, Dindi Koumane, Kafrine. Parce qu'au fait, quand je les entends parler, ces grands hommes, j'entends de la musique. Quand je vois ces soufis danser jusqu'à l'extase, eh ben, je suis heureux tout simplement. Là où il faut pour être heureux, mais là où il faut aussi pour faire la promotion de son album. Nous avons démarré avec Musicolor, nous allons terminer avec Musicolor, un projet artistique qui allie peinture, musique, littérature, parce qu'il y a une production de livres derrière, et un film documentaire. Pouvons-nous avoir une idée du quand ce projet, les téléspectateurs pourront le découvrir, ou bien les amoureux de l'art pourront aller voir dans un musée? Donc, pour tout ce que vous avez dit, on a pris 2 ans pour le réaliser. Pour ce qui concerne vraiment le film, j'ai des partenaires ici au niveau du Sénégal avec qui je vais travailler pour faire des tournées dans le Sénégal. Voilà. Après, maintenant, pour 2021, il y a un album qui sort d'où j'ai pris quelques sons qui concernent d'ailleurs les thématiques du film, qui est l'album Slam qui va sortir. Ça va être pressé et tout d'ici la fin de l'année. Et tout, si tout va bien, ça va sortir en France début de l'année 2021. Une chose importante, j'ai envie d'aller chercher le Sénégal ailleurs, au Maroc, au Mali, partout. Parce qu'il y a, puisqu'on parle de ça, toute cette musique-là, Guinawa, que les Maliens, bien sûr, parce que ça vient de Mali, mais que les... du Mali, je veux dire, que les Marocains jouent aujourd'hui, qui est une musique très mystique, et bien tout ça, il y a un lien avec les Bambara. Et au Sénégal, on est très métissé. On a aussi des Bambara, des Sarakoulé, Khasoké, tout ça. Et j'ai envie de montrer tout simplement cette richesse culturelle, la Mauritanie aussi, bien sûr. Parce que toute cette musique guinawa, là, qui traîne parfois, des fois, souvent, j'entends, par exemple, Cherlo, ou plus Cherlo d'ailleurs, de toucher ce monde-là, gamme pentatonique, machin et autres. Et toutes ces choses-là, moi, j'ai envie d'aller chercher l'image pour faire comprendre tout simplement vraiment que ça aussi, ça nous appartient. C'est à nous. Baye Gallo, malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. On peut avoir vos derniers mots à l'endroit de nos chers téléspectateurs de Culturama? Eh bien, tout simplement, je suis très honoré, vraiment content de vous accueillir ici aujourd'hui. Et voilà... Je lance un appel à ce qu'on fasse tous attention par rapport à la maladie là aujourd'hui qui circule dans le monde. Et pour dire que c'est une réalité, même si parfois, des fois, il y en a qui disent que c'est de la politique, mais c'est vrai que tout ce qui est politique est mystique et c'est pas compris. Donc du coup, on reste chez nous, on se protège. Et voilà, je pense que si on se comporte comme ça, je pense qu'on peut sauver des vies. Ou voilà, il faut se protéger. C'est vraiment ce que j'ai à dire, à part de remercier toute ma famille, mes amis, et puis remercier les gens qui sont là devant en train de nous regarder. Merci Baye Gallo, amis téléspectateurs. Nous sommes à la fin de ce numéro qu'on a tourné ici à Sali chez Baye Gallo qui nous a reçus avec tous les honneurs. On vous donne rendez-vous très prochainement. Ça sera toujours Culturama, le rendez-vous de l'art et de la culture sur la 2STV. Nous allons terminer exceptionnellement ce numéro avec ces quelques notes de musique à la guitare Baye Gallo que nous recevions dans Culturama.